Alors c'est pas une vidéo broderie, hein, puisque mais c'est juste que je vais broder un petit peu ma, ma toute petite broderie euh, estampée sur les fleurs en répondant enfin au bout de trois semaines à vos questions que vous m'avez posées dans la vidéo que j'avais mis la vidéo fac euh, la foire aux questions. Euh, je suis désolée, j'ai pas réussi euh, à vous répondre avant. D'ailleurs, je n'ai pas encore mis de petits bisous sur vos, en dessous de vos questions. Je le ferai euh, cette semaine. Alors, je vais répondre à vos questions. Euh, J'espère que les réponses que je vous donnerai vont vous satisfaire. Voilà. Euh, et en vous répondant, Mais je vais broder un petit peu ça euh, en même temps. Alors, je vais déjà déjà piquer mon aiguille comme ça je verrai plus clair parce que je ne l'ai pas encore fait alors je suis contente de, euh, que vous ayez euh, posé euh, quand même pas mal de questions euh, bon je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça pour connaître un peu mieux euh, bas ce que qui je suis ce que je fais euh, voilà etc et, euh, et moi, j'aime bien vous répondre. Voilà. Il n'y a jamais de questions euh, embarrassantes, donc il euh, n'y a pas de, de soucis. Alors, euh, d'abord, vous allez peut-être me voir broder ça bizarrement, mais euh, les petits estampés comme ça, moi, euh, je, je suis juste avec ma loupe. Je ne mets pas de tambour. Euh, et je fais ça un peu... Euh, un peu à la facilité et je le fais euh, en brodant comme ça sur le devant alors j'espère que vous allez bien voir quand même c'est pas le tout que vous entendez mes réponses mais tant qu'à faire vaut mieux que vous voyez ce que je fais alors la première question alors j'ai pas mis les pseudos sur ma j'ai toujours copié sur une feuille mais j'ai pas mis les pseudos mais bon je pense que vous allez vous reconnaître euh, dans les questions alors comment m'est venue la passion des loisirs créatifs alors, euh, oh, ça, ça remonte à très 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 loin <laughs> quand j'étais enfant. Euh, je bricolais déjà pas mal. Euh, bon, j'ai été élevée par ma, euh, ma grand-mère. Mes parents étaient commerçants donc c'était compliqué. Et donc j'ai été élevée par ma grand-mère et euh, bah, on faisait pas mal d'activités euh, toutes les deux. Et euh, je me rappelle, bon, je me rappelle pas tout ce que j'ai fait, mais euh, je me rappelle avoir fait des émaux. Voilà, ça, il y avait un. Euh, en dehors de l'école, il y avait un, comme un petit club euh, où on pouvait aller le jeudi, je ne je sais plus, je crois que c'était le jeudi à l'époque, oui, euh, ou le samedi, euh, à cet atelier pour euh, bah, faire des émaux. Euh, ensuite. Voilà, je fais déjà des conneries, voyez. <laughs> euh, ensuite, j'ai... Euh, comment Eh bien, voilà, j'ai déjà fait des bêtises. Hop, ça y est, c'est bon. Euh, j'ai fait des fleurs. Je faisais des fleurs avec, euh, vous savez, des vieux collants, des vieux bas. Euh, je, je me suis... Je faisais déjà des des petits bijoux du dessin euh, voilà je faisais vraiment pas mal de choses euh, déjà euh, très jeune bon j'ai fait du canevas aussi voilà donc c'est comme ça que les loisirs créatifs me sont venus j'en ai toujours fait euh, plus ou moins euh, j'ai arrêté une, une petite période euh, euh, lors de mon premier mariage c'est parce que bon là euh, Vu le contexte, euh, bah, ça ne me disait rien. Voilà, bon je n'en dis pas plus, mais ce n'est pas un bon souvenir. Euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai toujours eu la, la passion des loisirs et puis de la création, De toute façon, le dessin, tout. Euh, j'ai toujours créé. Dès que dès l'âge, dès que j'ai pu. Alors, deuxième question, comment arrives-tu à t'organiser avec tout ton travail <laughs> Alors, euh, vous, avez, vous pouvez voir dans, les, dans le journal créatif, je vous parle souvent de mon petit carnet magique. Euh, C'est un agenda sur lequel euh, je note euh, tout ce que j'ai envie de faire euh, dans la semaine. Bon, souvent en ce moment, c'est souvent les mêmes, hein, les broderies, tout ça. Euh, mais je note tout. Euh, je barre au fur et à mesure que c'est fait. Et euh, là, j'ai mis depuis, enfin, je l'avais déjà fait avant, puis je l'avais arrêté, euh, le système des roues. Voilà. Euh, J'aime bien. Ça, bon pendant je l'avais arrêté pendant un moment parce que il y a un moment où ça m'est pris chou quand même <laughs> et mais là bon ça va euh, j'aime bien bah, du coup je je prévois des ce que je vais faire et tout mais sinon dans la journée bon moi je suis un, bon je suis tombée malade, enfin c'est pas malade, c'est de... le corps qui ne veut plus, qui n'a plus voulu. Depuis 2019, je suis en invalidité. Et du coup, je ne travaille plus, donc j'ai beaucoup de temps à moi. Euh... Et du coup, ça me permet... Bon, faites pas attention, je fais des... Je pars comme ça. Hein. Je vous dis, ces broderies-là, je m'embête pas. Euh... Du coup, j'ai beaucoup de temps. Voilà euh, pour moi. Et euh, comme je ne peux pas faire de gros, de gros ménage, tout ça à la maison euh, à cause de mes problèmes de santé, ben déjà j'ai Chouchou qui s'en occupe beaucoup. Bon, j'en fais aussi, hein, je vous rassure. Euh, mais j'ai Chouchou qui fait euh, beaucoup le... les tâches ménagères, voilà. M'aide donc, bah, j'ai du coup j'ai beaucoup de temps voilà. et euh, souvent je prévois de la broderie la journée, donc euh, le matin, l'après-midi. Donc je change de broderie l'après-midi. Après, -midi. Après euh, je fais mon crochet, donc ma couverture vers 5h, 5h30, et le soir, ben bah, c'est soit de tricot, soit de broderie, mais voilà. Mais, euh, mais je vous dis, c'est parce que j'ai vraiment beaucoup de temps à moi. Voilà. Euh, ben là, ça sera. C'est un peu pareil, si on veut la troisième question. Comment fais-tu pour te retrouver dans tous les encours et les activités ben, C'est un peu ce que je viens de dire. Euh, comme tout est noté tous mes encours sont dans des pochettes séparées euh, voilà euh, donc j'ai pas de difficulté à m'y retrouver mes tricots pareil sont dans plusieurs sacs euh, donc euh, non ça va je me perds pas dans mes, dans tous mes encours et euh, J'essaye de, de faire tout ce que j'ai envie de faire euh, toute, la, euh, toute la semaine. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais bon, j'essaye. Alors, après toutes les expériences que j'ai, quelle toile je préfère Et mon retour sur chaque toile. Ouais. Alors, bah, je pense que vous savez quelle est ma toile préférée euh, c'est l'étamine. Voilà. Ça, c'est. Euh, L'étamine, euh, c'est ce que je préfère. Et il euh, y a Fifi qui est là. Euh, bon, il y a Laida, j'aime bien aussi, mais euh, non, Fifi descend, descend, tu vas faire, descends. Excusez-moi, elle, elle était montée sur le meuble, en train de marcher le long de la télé. Euh, alors, qu'est-ce que je disais Oui, euh, l'Aïda, j'aime bien aussi. Euh, bon, je brode sur l'AIDA, la preuve. Euh, mais j'aime pas, c'est la 11CT. Voilà. Euh, malgré que j'ai une broderie en ce moment qui est sur du 11CT. Mais ça, c'est pas du tout ma tasse de thé. Je trouve ça trop gros, trop. Non. C'est vraiment pas. Euh, ça fait pas des broderies délicates. Euh, non. Euh, là, ici, comme celle-ci, la, la 14, ça va. Mais après, en Aïda, ce que je préfère, c'est la 8. L'Aïda 8, parce que là, bah, ça, ça fait un travail très fin. Et ça, j'aime bien. Voilà, comme pour les tamines. Hein, là, moi, je prends la 12,6 fils. Et c'est pareil, ça fait un travail très fin. J'ai une broderie aussi sur du 14 fils. Et euh, le résultat est vraiment top. Alors le lin, le lin euh, bah, j'ai une toile de lin. Euh, mais il faudrait que j'essaye, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs, pour essayer de me remettre dessus. Euh, parce que le lin est un tout petit peu plus difficile quand même que l'étamine. C'est moins régulier. La, la trame de la toile est moins régulière. Et donc euh, voilà, mais euh, par rapport à mes yeux, je vais essayer de m'y remettre un petit peu, mais bon, c'est pas gagné, on verra. Ensuite, alors je préfère modèle, euh, oui, je préfère faire une broderie donc avec pattern keeper ou sur papier, euh, sans hésiter sur pater, pattern keeper, <laughs> voilà. Euh, parce que bon sur papier, bon j'en ai pareil hein, qui sont sur papier, mais je m'y perds euh, je m'y perds rapidement sur papier. Donc au euh, moins sur pattern keeper, ben déjà on peut grossir la, la, la grille, on, peut, on marque nos points qui sont faits, on peut travailler par couleur, on peut non. Euh, euh, un grand oui pour pattern keeper. Euh, Est-ce que j'envisage de faire de nouveaux modèles de grilles euh, de point de croix? Euh, oui. Oui, oui, oui. Euh, je vais peut-être pas en faire là, des dizaines, hein, mais bon, euh, dès que j'aurai dès que j'ai une idée en tête, euh, je pense que j'en referai une. J'ai déjà une petite idée là de, <coughs> de grilles. Euh, donc, il faut d'abord que je me la mets sur papier, euh, me la dessiner sur papier pour après me la refaire euh, sur mon logiciel. Mais oui, j'ai euh, bien envie de, de refaire des grilles. Euh, et d'ailleurs, euh, j'en ai par contre qui sont déjà faites depuis longtemps et que vous ne connaissez pas encore. Donc, euh, surprise, surprise <laughs> euh, pourquoi j'ai arrêté d'en créer Oui. Alors, euh, c'est vrai que j'en, f... à part euh, la, la maison météo euh, que j'ai faite donc l'année dernière, euh, ça faisait des années que je n'en avais plus fait. Et à cause d'une de mes grilles, voilà, j'avais créé une grille. Et je me suis fait euh, lyncher sur internet euh, par une créatrice très connue qui vend beaucoup de grilles, qui c'est est sa profession. Hein, voilà. Euh, je me suis fait lyncher euh, par elle en me faisant traiter de voleuse, de. Voilà, de tout ce qu'on. Bon, je ne vous donnerai pas son nom, hein, parce que bon voilà. Mais c'est une personne qui est très très connue. Et elle euh, a une de mes grilles. Euh, pour, une de mes grilles perso. Elle m'a dit que ce n'était pas moi qui l'avais faite, euh, que j'avais volé la grille à quelqu'un et tout. Et après, bon j'ai prouvé par A plus B que c'était bien moi la créatrice donc ça a fait taire tout le monde du coup et la créatrice aussi <laughs> ça l'a fait taire et euh, ça m'a refroidi voilà ça m'a ça m'a refroidi et du coup j'ai à cette époque là j'ai dit je ne fais plus de grille euh, c'est parce que bon euh, elles sont connues euh, c'est des personnes qui ont leur nom euh, partout dans toutes les boutiques euh, en France et à l'étranger euh, donc ça se prend euh, ça se prend pour des grandes dames et puis ça écrase les petites créatrices euh, donc euh, voilà j'avais choisi d'arrêter à cause de ça euh... Quel est mon plus vieil en cours Waouh ben, bon, Je ne saurais pas vous le dire parce que ben, du coup, comme j'ai euh, fait des petites broderies quand j'étais enfant, donc cela, bon, je n'aurais pu vous dire ce que c'était ni. Euh, donc c'est cela, mes plus vieux en cours. Mais je ne sais plus ce que c'était. Euh, sinon, le plus vieux. Euh, mais là, je pense que quand on dit en cours. Euh, C'est dans mes broderies commencées. Oui, je suis en train de réfléchir. C'est plutôt ça que, que la personne me demande. Euh, je suis encore en train de faire une bêtise. Alors, le plus vieil en cours dans mes trucs commencés. Hum, Est-ce que ce serait. Euh... Mes carottes, peut-être, ouais, je pense que c'est mes carottes. Euh, le jus de euh, dans les broderies que je fais en ce moment, hein, bien sûr. Euh, je pense que c'est ça. Je pense que c'est mes carottes. Ensuite, <coughs> est-ce que j'aime broder avec des fils de soie alors? Euh, comme je dis souvent dans mes vidéos unboxing, euh, les fils que l'on a dans les kits des boutiques chinoises, ce n'est pas de la soie, euh, c'est du polyester. Euh, et de la vraie soie, euh, je n'ai jamais eu le bonheur de pouvoir en broder, parce que bon déjà c'est cher. Euh, voilà, mais du coup, les fils polyester euh, pseudo soie, hein, mais c'est pas, je vois, je me le dis, c'est pas de la soie. Je... C'est bien, mais c'est pas ma tasse de thé. Voilà, euh... j'en avais commencé une en soie, enfin, en soie avec ces fils-là, les fils polyester, et euh... bon. Le résultat est joli, mais euh, c'est un peu prise de tête. Donc euh, voilà. Et moi, je suis en train de faire des conneries. J'ai enlevé un point ou deux. Voilà. Euh, ensuite, quel, euh, ça je l'ai demandé. à ah, quel âge a Fifi Oh, quel âge elle a Fifi euh, fifi a 9 ans voilà elle va sur sa dixième année euh, c'est déjà une petite mémère <laughs> voilà elle a 9 ans ensuite alors prochaine question est ce que je préfère le point compté ou l'estampé point compté <laughs> euh, je fais de l'estampé vous voyez bien mais euh... L'unanimité, si j'arrive à le dire, euh, c'est le point compté. Voilà, euh, c'est beaucoup mieux. Bon, l'estampé, moi je, je considère ça comme du canevas. Voilà, euh, et le point compté, ben, au moins on voit notre dessin apparaître petit à petit, et ça, c'est top. Est-ce que je fais de la broderie traditionnelle ou du patchwork Alors, pour l'instant, euh, non, mais j'en ai fait. Voilà, j'en ai fait. Euh, et la broderie traditionnelle, ben, je vais bientôt en refaire hein, avec le kit DMC, là, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Euh, mais, la traditionnelle, ça remonte à ouais, 30-40 ans que j'en ai pas fait. Euh, et le patchwork, j'en ai fait un petit peu, j'en ai fait un peu, mais du simple, hein, vous savez, euh, quelque chose, faire des coussins, des choses comme ça. Euh, voilà, mais j'aime bien le patchwork. Mais je vous dis, c'est vraiment des trucs tout, tout simple. Euh, depuis combien d'années je brode Ouh là là Bah ben écoutez, euh, j'ai euh, j'ai 60 ans hein. <laughs> euh, ça doit faire euh, ouais au, au moins 50 ans voilà, ça doit faire au moins 50 ans mais avec des périodes euh, où je n'ai pas brodé hein, mais euh, voilà mais ça fait euh, ouais une cinquantaine d'années que, que je sais broder euh, quel tissu je colle derrière mes broderies ah oui ça vous avez déjà été plusieurs à me le demander il euh, faudra que je vous refais une vidéo là dessus euh, c'est de, du tissu thermocollant voilà c'est du stabilisateur du tissu pour stabiliser euh, comme vous avez peut-être déjà vu vous savez les rubans, la thermocollant qu'on met euh, peut-être pour faire un ourlet ou des choses comme ça. Euh, bah c'est ça mais la colle est que d'un côté. Voilà C'est un tissu de, de coton euh, pré en coller euh, que l'on fait avec le fer euh, voilà. Euh, je vous ferai une petite vidéo pour mon, pour expliquer euh, ce que c'est et comment comment l'utiliser. Euh, où je suis là quel, quel matériel il faut pour le DP et euh, Est-ce qu'il ya des que ce que, que j'ai fait des vidéos Alors matériel DP, il vous faut pas grand chose. Hein. Vous pouvez démarrer. Euh, avec pas grand chose c'est à dire euh, un kit et vous avez ce qu'il vous faut pour démarrer parce que dans le kit vous allez avoir euh, la toile voilà euh, vous allez avoir les diamants diamants ou perles hein, on, ça on peut dire les deux noms donc des carrés ou des rondes et dans chaque kit vous avez un un petit kit de démarrage donc avec un petit stylet un, un petit carré de glu le petit plateau pour mettre vos perles et ça vous l'avez dans chaque kit voilà donc euh, quand vous êtes pour la première fois à faire du dp n'achetez rien d'autre parce que peut-être que ça vous plaira pas on sait jamais donc n'allez pas euh, acheter euh, du matériel euh, à foison et puis que après ça vous plaira pas après une fois si vous savez que vous aimez bien euh, ce qui est bien c'est d'avoir euh, une petite valisette avec les pots pour mettre les perles dedans voilà ou euh, alors il ya des boîtes aussi avec des petites boîtes rondes dedans euh, voilà euh, et après par la suite ben, là vous pouvez vous acheter des d'autres euh, plus jolis euh, mais voilà mais pour le DP il faut il faut rien en matériel hein. il faut presque pour ainsi dire rien hum. et par contre bon j'ai pas fait alors moi sur ma chaîne euh, alors mes toutes premières vidéos sur ma chaîne euh, donc, mes premières vidéos toutes pourries <laughs> euh, étaient consacrées euh, au DP. Voilà, euh, donc je sais plus ce que je montre dedans. Euh, le démarrage du premier DP, je crois, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les perles des Voilà, euh, mais mais tout. Mais sinon, j'ai plein d'autres vidéos sur le DP, mais où on voit qu'on qu qu diamante. Voilà. Mais mes toutes premières vidéos, euh, mes 5-6 premières vidéos, c'était ça c'était euh, justement sur le Diamond Painting. Mais alors, mes vidéos sont pourries de chez pourries. Si vous avez envie de rigoler, n'hésitez pas à aller les voir. <coughs> alors alors pour le tricot et le crochet alors quelles sont les marques d'aiguille et le crochet euh, préféré alors le crochet euh, j'ai pas vraiment de préféré moi tant qu'il tient bien en main euh, c'est principal sauf que j'aime bien les j'aime pas les crochets euh, tout alors gens je crois que j'en ai là je suis pas sûr non là en bas oui, parce que cela, je les avais de côté, parce que je les avais mis à vendre. Et d'ailleurs, personne ne les a achetés. <laughs> euh, ça, j'aime pas. Alors, je vais en sortir qu'un. Euh, voilà, ça, j'aime pas. Bon, il faut qu'il y ait les petits manches ici au bout pour que je, je tienne bien mon crochet. Voilà. D'ailleurs, cela, je, je vous dis, je les avais mis à vendre, mais bon, personne n'en veut, donc euh, bon, ils sont là. Euh, en aiguille de tricot euh, j'adore mes Knife pro donc c'est des aiguilles euh, droites voilà euh, je les adore elles sont longues parce que moi il me faut des aiguilles longues euh, elles sont en métal donc ça glisse bien euh, mais elles sont vraiment top 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 D'ailleurs, j'ai aussi, je vous en avais déjà parlé, je vous les avais montrés. j'ai aussi euh, toute une panoplie d'aiguilles circulaires qui ne me servent à rien puisque je n'arrive pas à me mettre au circulaire. Et ce sont aussi des Knaipro. Voilà, c'est une marque que j'aime bien. Hum, si j'avais le budget, est-ce que j'achèterais de la laine de teinturière hum, Peut-être, oui. C'est vrai que ça me... chaque fois je dis c'est des, des belles laines. Euh... Mais bon, voilà, c'est si j'avais le budget, parce que c'est vraiment pas pour rien ces laines-là. Il euh... bon, faudrait peut-être qu'on m'en offre. <laughs> Ce serait bien. Euh, ouais si je pouvais j'aimerais bien essayer de faire un petit un petit pull, un petit gilet avec de la laine de teinturière. Euh, J'en ai ja, jamais eu. Si j'ai eu une fois, alors c'était pas de la haine de teinturière. C'était mis en échevaux comme les teinturières elles font. Euh, mais c'était... Alors, oh là là, celle-là, je l'ai revendue tout de suite. Euh, ça remonte à des années. C'était de la laine de chameau. <laughs> ouais, la laine de chameau. Euh, mais alors, ça avait une odeur. Ah, oh, ça avait une odeur bizarre. Euh, c'était couleur naturelle, hein, c'était pas teinté ni rien. Ça avait la couleur de, bah, du poil des chameaux. Euh, mais ça avait une, une odeur complètement bizarre. Euh, j'ai revendu Voilà, j'ai même pas essayé de tricoter avec. Euh. Mais euh, ouais, la laine de teinturière, euh, j'aimerais bien essayer un jour. Voilà. Euh, alors, oui, alors est-ce que je pourrais faire un live pour qu'on puisse discuter? Alors, j'ai fait des lives euh, dans le temps, enfin, dans le temps, il y a, il y a quoi avant d'arriver ici? Donc, ça fait un peu plus de cinq ans. Euh... Ouais, pourquoi pas, je pourrais faire un live, c'est vrai que je... Mais bon, pas la journée, ça c'est pas possible pour moi. Parce qu'il y a Chouchou et puis bon, je lui regarde sa télé, et voilà. Euh... peut-être que je pense, ouais, à faire un live, mais ce serait le soir, voilà, après 21h. Euh... Mais c'est peut-être tard aussi pour vous, donc je sais pas. Mais pourquoi pas? À réfléchir. Est-ce que j'ai déjà euh, répondu à des tags Alors euh, oui, mais très peu. Euh, pas que ça m'intéresse pas, c'est qu'il bon, y a des tags euh, sur lesquels bah, je pouvais pas donner de réponse parce que bah, ça ne me concernait pas. Euh, c'est vrai que j'ai, j'ai répondu peut-être deux trois fois, je crois, un tag. Oui. Et pendant un moment, je recevais des notifications pour que je réponde à des tags, mais là, bon, j'en reçois plus, donc <laughs> voilà. Mais voilà. Euh, alors, attendez, je tourne ma page. Oups, oui, j'ai beaucoup de questions. Hein. Ah oui, ici. Alors là, toute cette page... Les, les questions ont été posées par la même personne. Tu vas te reconnaître, Annie. <laughs> euh, je ne sais plus combien de questions elle m'a posées, je ne les ai pas comptées, mais il y en a un bon paquet. Allez, on commence. Quelle, heure, quelle est ma couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, euh, j'en ai plusieurs. J'aime bien ce qui est le marron, le noir, le violet. Voilà, euh, des couleurs un peu neutres, on va dire. Ça c'est j'aime bien. Euh, mon dessert préféré, ah miam miam miam. Euh, alors mon dessert préféré euh, c'est la forêt noire. J'adore la forêt noire. Mon plat préféré, alors je suis une ch'tille, hein. Euh, donc, euh, bah, la carbonate flamande, c'est un de mes plats préférés. <laughs> euh, bon, malgré que la carbonate flamande, c'est pas du Nord, hein, c'est de la Belgique, mais bon, c'est pareil. Hein. Voilà. Quelle est ma. Oh là mon Dieu, c'est vrai, il m'avait posé cette question. <laughs> Quelle est ma principale qualité et défaut Pou, pou, pou. Alors Des défauts, j'en ai plein. <laughs> euh... Alors que bon, c'est un défaut, mais bon, je suis gourmande. Ouais, c'est un défaut. Ouais. Euh... Alors, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Euh... Je suis. Euh... Très rancunière, mais quand on me fait du mal, voilà. Euh, quand on me fait du mal à moi ou à, à un de mes proches, je suis très rancunière. Euh, donc, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut en fin de compte. Euh, et quand j'ai décidé de, de ne plus parler à la personne, je ne lui parle plus. Mais c'est à vie. Hein. Je ne reviens pas en arrière euh, pour dire, euh, bon, allez, on oublie. Euh, non. Bon, il faut que, bien sûr la personne, elle ait fait vraiment un truc euh, bien chelou. Hein. Euh, sinon, les qualités... Alors, j'aime m'occuper des gens. <laughs> voilà. Euh, j'aime beaucoup m'occuper des gens. Euh, bon, moi, par mon mon dernier métier que j'ai eu, euh, c'est vrai que là, je m'éclatais. Hein, J'étais auxiliaire de vie, donc avec mes petits vieux, euh, là, je me régalais. Mais c'est vrai que, que j'aime beaucoup m'occuper des, des autres. Voilà. Sinon, je suis quand même gentille. Voilà. <laughs> Euh, ouais non, mais c'est difficile de dire ses qualités, ses défauts. Voilà. Euh, Est-ce que tu as des temps morts dans la journée ou dans la semaine? Oui, quand même. Oui, quand même. Mais je m'ennuie vite dans ce cas-là. <laughs> euh, il faut toujours que j'ai les mains occupées, de toute façon. Donc... Euh la preuve je vous parle je fais une broderie en même temps bon j'en suis pas arrivée euh, comme certaines c'est pas une critique hein, pas du tout hein, comme certaines brodeuses ou tricoteuses qui euh, partent avec leur ouvrage en voiture euh, voilà euh, ça non je ça je le fais pas euh, mais sinon euh, ouais j'ai des temps morts mais euh, voilà. Je trouve plus le ben, voilà. Euh, voilà. <laughs> que le trou. Voilà. Voilà. Est-ce que j'arrive à m'ennuyer bah ben oui, quand j'ai des temps morts. <laughs> euh, sinon, ouais, non, c'est très rare que, que je m'ennuie. Euh, je vous dis, il faut toujours que je, que je, je fasse quelque chose. Donc, euh, voilà. Hum, quel est ton programme télé préféré Alors, euh, moi j'aime bien regarder des petites séries françaises euh, comme là bah, ce soir. Bon, là la télé fonctionne, mais le son je l'ai pas mis à cause de la vidéo. Hein. C'est Magellan, commissaire Magellan. J'aime bien Magellan, j'aime bien euh, le juge Mongeville, euh, Capitaine Marlowe. Euh, voilà, tous ces styles-là, j'aime bien. Il euh, y a quelques séries qu'on regarde aussi dans la journée des séries françaises, mais là, je ne pourrais pas vous dire des, les noms. Je crois qu'il y a OPJ. Il y a OPJ, puis, on, je ne sais plus. Par contre, je n'aime pas euh, beaucoup les... C'est rare que j'aime une série américaine. Des films américains tout ça euh, bon, non. je suis un peu euh, franchouillarde <laughs> euh, quel est tes, quels sont tes films préférés bah du coup ça va être pareil ça va être des films français mais euh, euh, des, des films anciens euh, tout ce qu'ils font maintenant j'aime pas beaucoup euh, J'aime bien, bah, pareil, le style de, de, de Tonton Flingueur euh, donc Camillo Oui, c'est un peu ringard hein, mais j'adore ça. Voilà, je peux les regarder dix fois. Euh, voilà, c'est tout ce genre de film. Acteur et actrice préférée. Euh, bah, actrice, j'en ai pas beaucoup. Ou si, comment elle s'appelle ah, Je sais plus son nom. Fleuro, je crois, celle qui fait HPI. Ça, c'est ça une série que j'aime bien. Euh, voilà, elle en actrice. Euh, sinon, ben, c'est tous les anciens acteurs Jean Gabin, Lino Ventura, Fernandel, euh, Belmondo, Alain Delon. Euh, voilà. Mais euh, les acteurs américains, tout ça, euh, Nietzsche, non. Hum. Euh, c'est pas ma tasse de thé. Je suis un peu vieux jeu, moi, là, pour ça. <laughs> Des fois chouchou en rigolant, il me le dit t'aimes rien. <laughs> ouais. c'est quand il regarde une série euh, ou un film euh, sur, euh, sur Prime Vidéo, les enfin les chaînes qu'on a là, euh, bah, si ça me plaît pas, je mets mes, mes écouteurs et je regarde une vidéo sur euh, YouTube. Voilà. Ou alors je me mets un vieux film sur YouTube justement. La dernière fois j'ai regardé Don Camillo encore une fois. Euh, voilà. As-tu d'autres chats? Euh, oui, j'ai eu d'autres chats. Alors, j'en ai eu. Euh... Alors, ai eu... Ai... Il y a été une époque où j'ai eu pas... deux chats, pas en même temps. Hein. Mais alors là, l'histoire, par contre, enfin, si on peut appeler ça une histoire, euh. Ces deux chats-là se sont fait écraser, euh, donc pas en même temps, hein, puisque je vous dis, je ne les ai pas eus en même temps, mais euh, j'étais dans la même maison, donc ils se sont fait écraser. Euh, J'habitais le long d'une route nationale, et moi, mes animaux ne sortent jamais, hein. enfin, tout seul, je parle. Et donc, ces deux chats-là, ben, ils s'étaient sauvés, euh, voilà, ça arrive. Et ils se sont fait écraser sur la route nationale, euh, tous les deux, donc euh, à 2-3 ans d'intervalle, mais par la même personne. <laughs> C'est euh, la même personne euh, avec la même voiture a écrasé mes deux chats. Euh, je peux vous assurer que lui, je l'ai eu dans le collimateur un bon moment. Euh, sinon, j'ai eu un autre chat, euh, mais euh, lui s'était sauvé. Mais j'ai jamais. Alors, c'était une pile électrique. C'était un chat européen, mais alors une pile électrique. Et lui, malheureusement, bah, il s'est sauvé et il n'est jamais revenu. Voilà. Donc, Fifi, elle, elle est là. Elle n'a pas le droit de sortir. Euh, même dans la cour. Ou alors, c'est parce qu'on y est. Mais sinon, non, non, non. Pas de sortie. Alors, euh, aimes-tu euh, je croyais que mon téléphone s'était arrêté, excusez-moi. Aimes-tu la laine ou le coton pour le tricot ou le crochet Alors, euh, je préfère la laine, pas trop, mais pas de la fine quand même. Euh, le coton, ouais, ça m'arrive d'en faire un peu, euh, mais c'est vrai que c'est très long <laughs> parce que c'est fin. Donc, euh, mais même, j'aime mieux la laine quand même. Préfères-tu crochet ou aiguille Ça dépend du modèle que je fais, mais euh, j'aime les deux. J'aime les deux. J'ai pas vraiment de préférence. Euh, ça dépend ce que je suis en train de faire. ouais. Mais j'aime bien les deux. Mmh. Comment trouves-tu les aiguilles à boules Oui, c'est vrai, je dois vous faire une vidéo là, aussi là-dessus. Euh, très bien, très bien. Euh, j'aime vraiment bien. La preuve, c'est que j'en ai recommandé. Je les attends. Euh, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, quelle est ta première broderie et à quelle date Alors, la date, ça... Euh je ne sais plus euh, et je devais donc avoir une dizaine d'années, mais euh, c'était des, des mini broderies euh, genre un truc comme ça euh, et euh, des des j'ai dû commencer sur euh, par les petits canevas voilà et les petites broderies euh, voilà. mais je devais avoir une dizaine d'années je devais avoir une dizaine d'années mais alors... Qu'est-ce que c'était comme modèle et la date Ça, j'aurais pu le dire. Il y a eu de l'eau sous les ponts. <laughs> Alors, quel est ton premier tricot Alors, euh, bon, à part, je vais pas compter euh, mes tout premiers tricots où j'ai fait des écharpes, des choses comme ça. Euh, ça, c'est pareil. J'ai commencé quand j'étais jeune. Mais mon, mon premier vrai tricot, alors il était, euh, c'était trois tricots que j'ai fait à la suite de l'un l'autre. Euh, c'était euh, trois gilets, exact, les trois mêmes, la même couleur. Et en plus, c'était des gilets un peu complexes, il y avait des torsades, tout. C'était des gilets pour mes trois enfants. Et voilà, ça, ça a été mes premiers... Euh, euh, gilet mais complexe enfin un tricot mais vraiment complexe sinon euh, j'ai fait avant avant d'avoir mes enfants et puis enfants euh, des écharpes des bonnets euh, voilà des choses comme ça euh, donc ça remonte à à plus de 40 ans maintenant ouais il y a 40 ans passé attendez j'en ai 60 voici si, il y a une quarantaine d'années que je les ai faits. As-tu encadré ton Black Walk Si oui. Le... Ben oui, je l'ai fait. J'ai mis une vidéo euh, dans les shorts. J'ai fait une vidéo et elle est dans les shorts. Voilà, donc elle est visible. Euh... Est-ce le premier. Alors, le blackwork, euh, oui, c'était le premier. Euh, bon, je fais du point arrière sur des broderies, mais euh, tout, une broderie complète euh, en blackwork, donc en point arrière, euh, oui, c'était la, la première. Est-ce que je compte en refaire euh, Oui, pourquoi pas. Euh, Peut-être pas tout de suite. Bon, malgré que j'en avais préparé une... Euh, mais euh, oui, oui, j'en je, referai. Euh, je referai. Euh... Combien j'ai euh, créé donc de grilles de points de croix euh... Plus d'une douzaine, je crois. Mais malheureusement, euh, j'en ai perdu. Alors, j'en ai, euh, ai que j'ai ré réussi à récupérer euh, dans un vieux disque dur externe que j avais, j avais, je les avais enregistrés. Il euh, y en a que j'ai sauvé que parce qu'elles sont sur papier. Donc, euh, du coup, je peux les rescanner pour les... quand je les partage sur le groupe. Mais il y en a quand même quelques-unes que j'ai complètement perdues. Euh, je n'ai plus du tout les grilles, ni rien. Euh, voilà. Mais sinon, j'en avais fait, ouais, entre 12 et 15. Euh, ça, il y en avait quand même déjà pas mal, je trouve. Euh, quel est le plus beau cadeau broderie reçu et par qui Ben, aucun. À part une, euh, une abonnée qui m'a offert euh, deux fois une grille, euh, mais non, j'ai jamais reçu de cadeau de broderie. Voilà, je suis abandonnée de tout le monde. J'ai pas de cadeau. J'ai pas beau ça. <laughs> non, je blague. Euh, ah, là, on part dans le coloriage. Alors penses-tu des crayons et feutres action pour les enfants, c'est bien pour démarrer le coloriage, c'est bien voilà, mais euh... voilà, on va pas faire de grands chefs-d'œuvre avec. Euh... On fera pas de grand chef-d'œuvre euh, avec les, les feutres et les crayons de, de chez Action. Les crayons, je les trouve secs et les feutres, ben ils durent de ce qui dure hein, par rapport à leur prix. Hein. Voilà. Alors, je vais faire une petite pause de cinq minutes pour moi, mais pour vous, je reviens tout de suite parce qu'il ya deux poilus. Oui, c'est comme le samedi soir, ça. J'ai deux poilus qui veulent aller faire leur petit pipi. Je reviens tout de suite. Me revoilà. <laughs> Alors, euh, oui, on en était sur les crayons et les feutres. Voilà, c'est bien pour démarrer, mais. Euh, voilà, sans plus. Et quand on a vraiment un tout petit budget, bon, ça va, ça va, c'est colorier avec, hein, mais. Euh, ça, ça s'use très vite euh... alors quels sont mes youtubeuses préférées et pourquoi oula là alors ça c'est compliqué parce il y en a beaucoup euh... moi je, ce que j'aime dans les les, chez les chez youtubeuses c'est qu'elles soient naturelles qu'elles se prennent pas la tête euh, voilà mais genre euh, genre youtubeuse, ou euh, que tout est mis en scène et tout ça ça j'ai horreur voilà euh, d'ailleurs euh, quand je vois que c'est ça je vois les, les la première minute euh, hop je zappe je reste pas euh, moi je vais, je vais aimer c'est euh, par exemple euh, bon c'est elle elle fait que du tricot mais j'adore la regarder j'aime beaucoup euh, Miss, Ma, euh, Miss Manu Naturel donc elle fait que du tricot euh, Malouen euh, baout Malouen euh, bah, elle a fait de la broderie euh, l'eau demoiselle alors elle elle est c'est vrai, elle est très douce très douce dans ces vidéos. Et c'est pareil, c'est que du tricot, mais j'aime bien la regarder. Pourtant, c'est du Miss Manuel, c'est du tricot circulaire. Hein. Mais j'aime bien les regarder, les écouter. Euh, Green Angel, bah, ça, vous la connaissez, c'est Catherine. Euh, D'ailleurs, va falloir que je regarde parce que je, je ne reçois plus les notifications de ces vidéos. Il va falloir que je regarde ça. Euh... Elle, pareil, 100% nature. Donc, j'aime beaucoup. Et puis, son humour aussi. Euh, Jackie Crostich Pareil, elle est nature. Mais bon, je pourrais vous en citer plein. Euh, voilà, s'il y en a que je ne cite pas, euh, ne soyez pas vexés. Hein. C'est parce que, bon, je vous dis, il y a vraiment beaucoup de de youtubeuses que j'aime euh, regarder même si je ne mets pas des commentaires à tout le monde mais je regarde beaucoup de vidéos euh, voilà alors ensuite euh, si je gagne une grosse euh, ah oui si je gagne une grosse somme au loto ou à un grand gratte <laughs> quelle est la première chose que je fais j'achète ou que je donne euh, bah déjà que je donne euh, euh, je donne des sous à mes petits enfants <laughs> euh, voilà euh, que j'achète alors nous on n'est pas pour acheter une maison, pour acheter des voyages, tout ça non c'est pas pour nous. Euh, donc euh, on rachèterait certainement des meubles parce que les nôtres euh, bah, ils sont plus de première jeunesse. voilà donc des meubles, euh, la voiture oui peut-être la nôtre va très bien pour l'instant donc euh, euh, des fils, plein de fils. <laughs> euh, non, mais bon, c'est vrai que nous, on n'est pas voyage, on n'est pas, on n'a plus l'âge d'acheter une maison, même si on gagne beaucoup de sous. Euh... Non, de, à part euh, donner des sous à mes petits enfants, à mon fils. Euh... Euh, voilà à la maman du fils de mon mari parce que bon lui c'est il est handicapé donc euh, bah, ce serait sa maman qui aurait euh, qu'on donnerait pour 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 lui pour elle aussi en même temps euh, voilà et euh, ce que je ferais bah pas on ferait pas beaucoup plus que maintenant vous savez euh, si on paierait les crédits <laughs> Pour euh, être tranquille, voilà. C'est vrai que la première chose que je ferais si on gagnait une grosse somme, c'est ça. Je rembourse les crédits pour être tranquille. Et après, euh, ouais, euh, des meubles, voilà. Euh, parce que bon, ben là, je, si je vous disais que notre matelas a plus de 30 ans. Euh... <laughs> euh, donc, euh, voilà. Je m'achèterais un mettre <laughs> là. Non mais on n'a pas, la, on n'a pas la, la folie des grandeurs, des par se changer peut-être d'ordinateur, des et vraiment des, voyez, des petites choses, vraiment des petites choses. Euh, ensuite, quels sont mes rêves? Le plus en euh, Attends. Quels sont mes rêves euh, qui me font le plus envie euh, de faire ou de refaire euh... Euh... Alors, il bon, y a un rêve que, que Chouchou voudrait c'est qu'on reparte euh, sur Villeneuve d'Ascq, voilà, à côté de l'île. Où on habitait avant. Ben ça c'est un rêve que qu'on aimerait bien. <laughs> c'est de repartir habiter là-bas. Euh, mais c'est compliqué. Il y a un rêve à refaire. Euh, euh, non. Euh, vous devez dire que j'ai pas beaucoup de. nos ben, rêves, c'est cas de le dire. Non, on n'est on pas, pas demandeur de beaucoup de choses en fin de compte. Voilà, c'est un peu bizarre. Euh, donc, voilà. Alors, je crois que j'ai terminé de, les questions de Annie. Alors, vous voyez, il y en avait beaucoup. Mais merci beaucoup, Annie, pour toutes tes questions. Alors, il y a encore quelques petites questions. Euh, Est-ce que j'ai. Des accessoires préférés pour le DP, euh, stylet, barquette. Euh. Alors j'ai un stylet, ah mince, je l'ai pas à côté de moi. Euh, j'ai un stylet préféré, euh, ça fait un moment que je l'ai. Euh, il est en comment C'est pas du plastique, c'est du, mou, euh, du comme du caoutchouc là. Mais vous savez, c'est plein de petits picots, tout le tour. Et ce n'est pas des picots qui piquent. Hein. Euh, au contraire, ça fait tout doux dans la main. Euh, mais j'adore ce stylet. Euh, je, je suis toujours avec, malgré que j'en ai d'autres. Hein, parce que j'en ai que, que j'ai eu de Catherine, que j'en ai, ai eu de Armel. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je crois que c'est Armel. Euh, voilà. Mais je suis toujours avec mon vieux stylet. Oui, je dis vieux parce que oh, c'était avec la boutique. Oh, je sais plus son nom, cette boutique mince. J'étais en partenariat avec eux pendant un moment. Euh, enfin, j'y suis toujours si on veut, puisque euh, je suis en... Il y a un parrainage avec la boutique avec moi. Ah oh, bah ben, mince, je sais plus. Euh... Oh, je ne sais plus. Et donc, ça fait euh, longtemps que j'ai ce stylet. Et euh, je l'adore. Sinon, les plateaux, tout ça, non. Il euh, y a rien. Les barquettes, euh, rien de spécial. Chouchou doit user beaucoup de stylet. Oh. <laughs> euh, ouais, quand même. Euh, donc, c'est pareil. Alors, lui, il récupère les embouts de, des stylets roses. Et il est remet sur euh, sur ses stylets qu'il a euh, qu'il a l'habitude de, de prendre mais c'est vrai que ouais si si ça et la glu euh, ça y va alors euh, bon là c'est pareil Vous voyez je fais des nœuds n'importe comment sur ces broderies là je m'embête pas euh, on j'ai fait des les anciennes vidéos de cartes à gratter. Oui, en fais-tu encore? Euh, alors, non, j'en fais plus. Mais euh, j'ai encore mes carnets pour en faire. C'est vrai que c'est une chose que je pense pas. Euh, c'est une chose à laquelle je ne pense pas faire. Il faudrait que je ouais, ressorte, euh, ressorte pour en refaire ce que j'ai tout mon matériel, j'ai ma trousse, je fais avec des, des stylets de grattage que j'avais acheté spécial pour ça. Il euh, faudra d'ailleurs que je regarde où est ma trousse et pourquoi pas en refaire. Merci d'avoir posé la question parce que ça me redonne l'idée du coup. <laughs> euh, ma journée type broderie. Alors nombre d'heures, pause, non-stop. Alors, euh, journée type, ça va être. Alors, déjà, je fais euh, minimum deux broderies par jour. Enfin, je travaille sur deux broderies par jour. Oh, il pleut. Euh, une le matin et une l'après-midi. Voilà. Euh, je, souvent, je commence. Alors, ça dépend si j'ai des courses à faire ou pas mais bon alors si c'est une journée sans course euh, je commence euh, à broder vers 9h 9h30 le matin euh, une fois que, bah, qu que j'ai fait la toilette on a fait du rangement euh, voilà euh, euh, ouais vers 9h 9h30 et euh, je brode jusqu'à... Alors sur la première broderie, je brode jusqu'à une heure, une heure et demie. Entre deux, je bois mon petit café quand même. <laughs> Mais je bois en brodant. Donc j'ai mon café avec moi avec ma broderie. Je bois des... Comment Des, des macchiatos, donc des grands cafés. Euh, et sinon faire des pauses, ben, je fais vraiment de pause je me fais si une petite pause si j'ai un petit creux si j'ai envie de manger un petit biscuit une petite tartine voilà parce que là bon je veux pas mettre du gras sur mes ouvrages et du coup l'après-midi je refais une deuxième broderie je retravaille sur une deuxième broderie euh, donc euh, à partir d'une heure et demie jusqu'à euh, jusqu quatre heures 4 heures quatre heures et demie des fois et ensuite ben c'est le rangement parce qu'il faut que je range tout euh, s'il y a besoin de préparer quelque chose à souper mais bon euh, c'est rare quand même parce que bon on, en fin de compte on cuisine pas beaucoup on cuisine plus beaucoup euh, et ensuite, ben, je me mets dans mon fauteuil et je fais mon rang de couverture météo. Voilà. Et le, le soir, euh, c'est tricot ou une broderie estampée euh, dans mon fauteuil. Voilà. Ça, c'est ma journée type. Voilà. Sans compter que quand il y a des vidéos à faire, quand il y a des courses à faire, bon, bah ben là, du coup, ça change un petit peu. Euh... Où est ma broderie cheval bah, Ça, vous l'avez vu, <laughs> du coup, euh, je l'ai ressorti. Euh, là, cette semaine, j'ai brodé dessus. Voilà. Alors, dernière question. Euh, alors là, c'est plutôt une question technique. Euh, que veut dire toile douce euh, 12,6 fils euh, bah c'est une toile où on va faire 6 points enfin 6,3 points au centimètre voilà euh, comment les reconnaître bah justement en mesurant euh, on prend son petit centimètre et puis on mesure et on compte le nombre de points qu'il y a au centimètre euh, ensuite les aiguilles sont-elles les mêmes pour le 11 CT, 14 CT euh, Non, ce sont pas les mêmes. Alors pour le 11 CT, on va choisir des aiguilles euh, numéro 20 ou 22. Voilà. Plus le chiffre est grand, plus elles sont fines. Hein. Euh, pour le 14 CT, ben, on va utiliser des aiguilles euh, numéro 24 euh, ou 26. Voilà. Et ensuite, bah pour les, les 12, 14, 16 fils, on va prendre des aiguilles euh, numéro 26 ou 28. Voilà. Euh, mais bon, c'est des choses un peu plus techniques. Euh, si vous voulez, je pourrais en reparler dans une autre vidéo, euh, s'il faut plus spécifiquement. Alors, je pense n'avoir oublié aucune question. Si malheureusement j'en ai oublié une, je m'en excuse. N'hésitez pas à me la remettre en commentaire et je vous répondrai bah, du coup directement en commentaire. Euh, J'espère que j'ai bien répondu <laughs> et que bah, mes réponses, euh, c'est ce que vous attendiez. Hein, j'ai peut-être eu par moment des petites réponses bizarres. Mais bon, voilà. Euh, ben en attendant, moi, ça m'a fait avancer ma petite broderie, vous voyez. Euh, en avance. De toute façon, je dois la terminer d'ici la fin du mois. Donc euh, ça c'est bon, hein, je suis pas en retard. Euh, ben, J'étais très heureuse moi de, de, de répondre à toutes vos questions. Euh, je regardais, mais non, c'est bon, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Oui, oui, oui. Euh, je vais du coup vous laisser pour aujourd'hui. On refera une fois aux questions dans, dans quelques mois. Hein. Ça, on ne va pas en faire une tout de suite. Euh, et justement, comme tout à l'heure, on me posait la question du tag. Euh, J'en je, ferai peut-être un moi-même de tag, pourquoi pas. Donc je vais réfléchir aux questions. Euh, que je pourrais euh, vous poser et, euh, et dans ce cas là ben, on pourra partager le tag sur euh, sur les chaînes voilà avec les, les youtubeuses euh... oh, il, il pleut heureusement qu'ils viennent de sortir faire leur pipi parce que là maintenant il pleut averse allez je vous laisse je vous fais des gros bisous et en attendant, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.